une génération engagée. Et ces générations ça, avec l'action que nous avons posée, pas seulement sociale, mais politique, que nous avons quitté en héritage pour les générations futures. Il faut que nous pensions à demain, mais il faut agir pour nous. Et agir, c'est pour nous entrer dans la politique, c'est pour nous participer dans la vie politique nation. Parce que le pays n'a pas rêvé, le pays nous voulait, il n'est pas possible sans femmes. Il faut que ni femmes ni garçons. Pour le pays nous développer, il faut que c'est une participation avec un engagement équitable, égal entre les gens. Il faut que les femmes, nous là, nous agissons parce que nous sommes génération égalité et nous-mêmes, nous connaissons que l'action que nous avons posée aujourd'hui a bien répercussion sur la génération future. On quitte un bon héritage. Merci. C'était Lodney Amboise. Moi, c'est Nathalie Chalpierre. Moi, je suis dans l'Odesse pour la liberté. Et moi, c'est un éventuel candidat pour la mairie pour la liberté. Moi, j'étais candidate déjà. C'était pour le même poste, pour la mairie pour la liberté. Donc, moi, c'est un candidat malheureuse. Moi, j'ai envie qu'on y a là pour capable un candidat qui est heureuse parce que moi, je connais que m'a passé, m'a élu. Et m'inviter toute femme à faire même j'avais parce que nous-mêmes, en tant que femmes, nous peur, nous guérissons peur parce que j'en vois politique en Haïti. C'est presque, c'est pour bataille, c'est armes, etc. Donc, nous inviter femmes yo à gagner courage pour capable aller dans l'élection pour nous gagner plus de femmes qui députées, qui sénateurs et qui dans la collectivité territoriale là. Donc, moi-même, moi, c'est une femme qui déjà dans l'organisation femme. Nous apportons toutes les femmes qui travaillent. Nous avons une question de développement avec tout le monde, grand monde, personnages âgés. Donc, nous intégrons nous dans le social. Donc, ça veut dire que nous avons une formation avec l'Académie politique des femmes. Donc, pour journée aujourd'hui, nous sentons heureuses de ce que nous recevons en formation comme ça, qui parle de nos capacités pour nous travailler plus, avec plus de force et vigueur. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis Valène Sajan. Nous sommes militants pour les femmes qui sont handicapées. Je pense que les femmes doivent être impliquées dans la politique parce que nous sommes 52% de la population. Les femmes doivent être impliquées dans la politique parce que le développement possible, le tout composant de la société, mettez ensemble pour jouer au rôle comme ça doit. Je pense que c'est le moment ou jamais pour que les femmes, tant qu'elles qui vivent avec une déficience, pour que nous affirmions, nous, pour que nous prenions position, nous, pour que nous prenions engagement nous, pour un Haïti meilleur. Merci. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Berline Claude. Et je suis membre d'organisation. Organisation Femmes Relais OFEMPDA. C'est l'organisation des femmes militantes pour la promotion des droits humains. Jeudi, c'est un privilège moi pour participer dans un gros formation ça que ONU Femmes avec politique tech BT a fait juste pour les capables de faire promotion et pour encourager les femmes à faire politique. Et formation ça nous recevoir pendant semaine là, il ban plus privilège, plus force pour me capable puis armé pour me gagner plus bagage que ça me gagne déjà pour me capable faire politique et m'encourager toute femme pour faire politique parce que pas gagner progrès sans femme. Merci. Ils inventent des armes, puis des gilets pare-balles. Ils inventent les missiles, créent des antimissiles. On dirait qu'ils sont fous, ils creusent leur propre trou.